Io venendo un po' dalla famiglia di artisti del mio padre ho sempre trovato affascinante, no? Che lui scolpisce e da un pezzo di legno tira fuori qualcosa. Ecco, quello che facciamo noi un po' come arrampicatori è quello, vedere un pezzo di roccia e non vederlo solo come tale, diciamo, ma proprio riuscire a tirar fuori quella che è la linea. Ecco, Digital Crack è sta linea che è stata vista ed è qualcosa di spettacolare, di unico secondo me da quel punto di vista, ecco. Ti trovi a scalare nel centro di questo pilastro, nel bel mezzo della cresta del Cosmiques. Ogni singolo movimento, ogni singola presa la senti proprio dentro di te, cerchi gli equilibri, sei solo con te stesso, è una sensazione unica da quel punto di vista. Sa singularité, c'est que c'est haut en altitude. Je pense que des voies comme ça, il y en a plein dans des centaines de falaises en granit, mais celle-là, elle est unique parce qu'elle est en montagne. On peut en faire tous les week-ends des comme ça, alors que l'endroit, ça, on n'y est pas souvent. C'est ça qui m'a plu. Ti senti proprio immerso nel pieno del Monte Bianco, un'esperienza che sicuramente va al di là di quello che è il semplice arrampicare. C'est pas vraiment une fissure, en fait il y a une petite fissure au début qui est très jolie d'ailleurs, qui amène à la petite vire. Là c'est une fissure, une vraie fissure à doigts, 6B, 6C à peu près. Et là de là on arrive à une vire où on peut s'asseoir. Et de là la voie part vraiment, et non c'est plus une fissure du tout, c'est un dièdre évasé avec des petites réglettes. C'est pas une fissure. Non sono riuscito a farla subito. Non ero per niente acclimatato, quando sono salito alla Guide Humidi non avevo fatto niente in alta montagna e diciamo che la difficoltà principale per me è stata soprattutto questa, che dopo tipo 3 o 4 movimenti subito avevo il fiatone e dovevo fermarmi e recuperare. Però dopo sono riuscito a farla, il giro seguente. J'ai vu un gars un peu pente dedans, il essayait un peu. Et après j'y suis allé, ça s'est déroulé, il y avait un peu de manne sur les prises. Ça a permis de la faire du premier coup, sans trop d'aléatoire. Diciamo che una scalata di questo genere è fatta più per un bravo arrampicatore che per un forte arrampicatore, secondo me. È un'arrampicata molto tecnica, molto di precisione, piccoli piedi, piccole prese, ha dei movimenti anche non subito intuibili, bisogna appunto sapersi posizionare, fidarsi dei piedi. C'est pas facile en lecture, mais si on s'y prend bien dès le début, ça grimpe quand même bien. Faut bien mettre ses pieds en écart, arquer les prises, bien mettre de la force dessus et ça fonctionne. È bello pensarsi sognatori 30 anni dopo dalla prima salita in libera di questa via. Beh, 90 en fait, il fallait y aller, il fallait avoir l'idée, surtout ce qui est sensationnel c'est qu'ils aient eu l'idée parce que ça paraît lisse du bas, on voit pas qu'il y a une prise, fallait avoir envie d'y aller, de descendre l'arête des Cosmiques et de commencer à y mettre des essais. Il fallait être alpiniste pour penser à aller là-haut et puis être grimpeur pour réussir. Le fait que Enzo et Alessandro n'étaient pas nés quand on a réalisé la première, ça me fait sourire. C'est plutôt sympa, quoi. Ça veut dire que cette voie, elle intéresse toujours. En juillet 90, on a eu vent de cette ligne qui avait été équipée par Christophe Datte 2 ans auparavant sur le dernier obélisque monolithe de l'arête des Cosmiques. Et donc, on était dans une dynamique d'ouverture et de libération d'itinéraire notamment. Avec Thierry, on a décidé d'aller essayer cette longueur, sachant que ça s'inscrivait dans un été qui était déjà très actif en termes d'escalade et d'alpinisme. Donc on est allé voir et puis on l'a fait dans la journée, on l'a fait assez vite. On était très bien acclimatés parce qu'on avait fait ensemble une semaine avant la Divine Providence au Pilier d'Angle. Digital Crack, c'est quand même une couenne d'altitude. Une couenne, c'est quelque chose d'assez court, d'assez intense, d'altitude. Et puis c'est sur speed. Donc c'est un peu comme une cerise sur le gâteau. Le gâteau, pour nous, c'était Divine Providence.
avec arrivée au sommet du Mont Blanc, une voie vraiment d'alpiniste, mais à faire en libre et en trad. Bah, à l'époque, c'était l'idée de reprendre des itinéraires qui avaient déjà été gravis auparavant, généralement en artif, et puis d'essayer de les libérer à la sauce du libre tel qu'il était entendu à l'époque, quoi, sans toucher les points. Il faut savoir qu'en 90, le libre sportif commençait un peu à naître. Enfin, il avait déjà 10 ans derrière lui, mais c'était pas non plus complètement standard encore comme type d'escalade. Moi, j'étais très tôt, déjà dans le début des années 80, j'étais déjà influencé par l'escalade anglo-saxonne. J'étais porté vers la libération des grands itinéraires de montagne. Ouais, c'était dur, hein. C'était dur, oui. En même temps, il faut croire qu'on avait quand même bien le niveau. Voilà, moi je grimpais en falaise essentiellement à vue, et en montagne aussi, à vue, et je ne travaillais pas les voies. Il fallait que j'aie un bon niveau à vue pour pouvoir faire ce que j'avais envie en montagne à libérer. Après, ça me donnait quand même une bonne marge pour grimper des beaux itinéraires comme la directissime américaine, hein, ou Dru. Après, j'étais à la facette du fou aussi dans la voie américaine. Et là, j'ai pris deux points de repos dans le tour en 7, tout le reste on a fait en libre, mais je ne suis pas retourné. Pour moi, il n'y avait plus de challenge presque. La voie Bonatti au Grand Capucin, on essayait dans la ligne, hein, de Bonatti, et j'ai eu l'idée de continuer, au lieu d'aller sous surplomb, de continuer au-dessus du relais par une fissure et traverser au-dessus du surplomb. Moi, j'aimais beaucoup le libre. On a dû le faire autour du mi-juillet 90. C'est un été où j'ai fait que grimper, c'est peut-être l'été où j'ai le plus grimpé dans le massif. Je me souviens d'avoir fait le pied dérobé du Freinet en solitaire. Je me préparais aussi, j'avais en tête un enchaînement, parce qu'à l'époque on faisait beaucoup d'enchaînements. Donc j'avais en tête d'enchaîner les Dru, les Joras et l'intégrale de Petrel dans la foulée. J'ai dû faire ça à peut-être 15 jours après Digital. Mais c'était hyper attirant en même temps. Ce caillou, quoi. Hyper attirant. Et du coup, ça a été quand même bien médiatisé. Enfin, dans la presse alpine, hein, ça a été médiatisé. Io non credo che un arrampicatore faccia tanti chilometri, tanta strada al giorno d'oggi per la difficoltà in sé, quanto piuttosto per quello che può rappresentare per l'esperienza che proprio ti porta a salire una linea del genere. Ti trovi in cima a un monolite nel bel mezzo di una natura selvaggia, comunque una natura immensa, grande, ti senti un puntino piccolo in cima a un monolite. Ecco, l'esperienza di Digital un po' è stata quella. E il y a de plus en plus de grimpeurs qui essayaient la voie. Certains réussissent, d'autres pas. Que l'activité comme l'alpinisme ou l'escalade en haute montagne puisse trouver une suite et perpétuer son histoire, je suis assez rassuré par rapport à ça. Et quand je passe en dessous, quand je fais l'arrêt des Cosmiques avec des clients, je jette toujours un petit coup d'œil. J'espère qu'il ne va pas tomber. Parce que l'arête des Cosmiques, ça bouge beaucoup. Ça pourrait augmenter en difficulté, hein, si ça commence à pencher un peu. Mais ça ne gênera pas les jeunes.